18h, 10 juin, départ de Laos et Daronne. Beau mouillage, abrité de l'est surtout, du nord-est. Bon, pas aussi sauvage que ce que j'espérais, la plage, parce qu'il y a des clubs de vacances. Des paysans parce qu'il n'y a que des Allemands. Ou des Hollandais, ou des gens qui parlent un peu comme ça, quoi. J'arrive pas trop à distinguer, moi, l'allemand, surtout quand tu passes devant à pied, là, quand on est allé promener, et que tu n'écoutes pas vraiment. Mais bon, bref. Donc du monde. Hélas, quand on vient en Corse, c'est pour voir des plages comme ça, mais désertes. Mais bon, bien sympathique, quand même. Et là, Coco qui vient de se réveiller. Qui boit son petit déj, Popo qui dort toujours, et nous qui avançons gentiment pour aller un peu plus bas. Bon, l'objectif de la matinée, je vais dire de la journée, non pas la journée, alors l'objectif premier c'est d'être peinard, mais le petit objectif c'est quand même faire deux courses. Voilà, alors pour faire deux courses, bon, on va aller à Cargèse. Voilà, alors on va pas aller au port parce que ça me saoule d'aller dans les ports, quoi. Il faut mettre les pare-battages, il faut sortir les amarres sont dans le coffre, par-dessus on a tous les jouets de plage et tout ça. Enfin bref, non, le mouillage. Or devant le port de Cargèse, il y a une petite zone de mouillage. On va découvrir, je ne l'ai jamais fait ça. J'ai déjà été au port de Cargèse, mais alors il y a. Je vais pas le dire parce que ça va pas nous rajeunir tout ça. Voilà, objectif Cargèse. En plus, le village est très très mimi. Alors, la mise à l'eau de l'annexe. Donc, on reprend le palan qui sert à mettre à l'eau l'annexe. Alors, c'est la mise à l'eau du moteur, en fait. Qu'est-ce que je raconte? On reprend donc le palan de l'annexe. Comme ça. On l'assure, surtout on le sort de son emplacement. Il n'est pas il est très lourd. Non, il n'est pas très très lourd. Il n'a pas l'air. Non, il n'a pas l'air. Voilà. On récupère la corde, le bout, pardon. Hop. Voilà. Et là, on peut laisser le moteur promener dans les airs. On récupère. Au préalable, on a bien attaché l'annexe contre le bateau. Il n'y a qu'à laisser descendre. Et voilà. Merci de tes conseils, ma chérie. Et il est en place, il n'y a plus qu'à visser. Bye bye. Voilà. Donc les deux églises. Il y en a une du rite latin, une du rite grec, et elles ont été construites dans la première moitié du 19e siècle. Donc, elles sont assez récentes. Allez, go! Il est beau le tabasco. Venez, on reste dans cette rue, c'est joli avec les habitations là.
Donc, petit point pour les plaisanciers, cargèse. Donc, cargèse, assez pratique. Hein. Assez pratique pour l'avitaillement. Parce que, bon, donc, le port, avec ben, au mois de juin, 10 juin, beaucoup de place. D'ailleurs, je les ai appelés sur le 9. Ils m'ont dit, non, mais venez dans le port, on a des places, vous pouvez rester 2 heures et faire vos courses. Bon, moi, j'ai préféré poser Tabasco à l'entrée du port. Alors, il y a des bouées. Ce ne sont pas des bouées de mouillage aménagé, c'est privé. Et on peut mouiller où on veut, là, dans l'avant-port. Bon, toujours Dixit, la capitanerie, évidemment. Donc, il y a de la place, on le voit, Tabasco est tout seul, là. Il y a de la place, il y a un beau mouillage. Et puis après, il y a un chemin qui monte, enfin, une petite route bétonnée, quoi. Et on arrive plein cœur village, sous cette église, qui est l'église latine. Alors, particularité à Cargèse, deux églises qui se font face. Une latine et une grecque, enfin, d'origine. Et dans le village, alors pour ce qui nous intéresse, ben, un spa, un supermarché spa, bien achalandé. Un casino, petit, mais bien aussi. Et ben, tous les autres commerces de proximité. Hein. Voilà, donc une bonne étape pour faire un avitaillement sympathique, pittoresque, course. Allez, on va visiter cette église grecque. Repos. Faire les courses. Je suis mort. Allez, petite pause apéro dans un endroit bien sympa. La mer en bas. Un petit rafraîchissement. Ouais. En terrasse. À Cargèse. Et il est midi. Voilà, bye bye Cargèse. C'est parti, c'était bien Mimi. Bon les filles, c'était bien Cargèse. Ah, c'était super chouette. C'était bien. C'est patoche. Objectif ravitaillement, objectif atteint. Allez, c'est parti. Allez aux Génois. De Tabasco, on navigue à l'estival, on a le saut avec les équipements de nage, palme, masque, tout ça. On s'emballe, enfin, on fait comme on veut. Allez, où ? Et sur Tabasco, on va pas se laisser abattre. Qu'est-ce qui se passe? Apéro. Apéro, dis-la-toi. Lonza, Copa, Lonzu. Copa ou l'inverse. Mais je crois que c'est ça. Et puis, au chèvre et au brebis. Et la confiture de figues qui va avec, évidemment. Il manque le rosé, malheureux. On se fait le rosé à midi ou on est pas. Oh, quel beau bruit. Alors on va faire juste une entorse au
au repas corse, je cherche le nom, comme on disait, ça me reviendra. C'est comme avoir un bandol, quand même. Hein. Et le voilà, au complet. Tout ça, tard. Nous devant. Le tabasco il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Bon, good, voilà. Tout va bien? Quoi? Tout va bien? On ne peut pas lâcher la main. Bien s'amuser. Et devant l'anse de FIC, où nous allons jeter la pioche. Ah, beau. Avec internet. Ardu, il est beau. Ardu, dorure. Oh lui, comment ça s'écrit ça? D-O-R-U-R-E. Ouais. Ça, lui, il est beau aussi. Et j'ai une arre. C'est pas A-2-R-E. Une arre. Oh, la drisse. J'ai bon, pas repris la drisse. Ça doit de mettre en point. Coralie. Arqué, je suis sûre qu'un corps arqué, ça s'écrit comme ça, enfin. Ah, mais un arc, ça s'écrit A-R-E. Et alors? Mais ça veut dire quoi, une corps arqué? Eh ben, c'est se tenir arqué. Mais ça se dit où, ça? Mais bien sûr que si, ça se dit. Tu peux pas inventer, celui-là? Je promets que non. Et tu l'as... Et tu... Alors, ça, celle-là, on va faire la séquence. Oui. Le trinquage. On a refait la séquence, ah, parce qu'elle était pourrie, celle-là. Ah, mais j'ai le droit de faire ça, ou pas? Ouais. Allez. Ça? Bon, les filles, on trinque? Ouais. Je vais pas beaucoup servir, moi. C'est pas déjà tout Ah. La nôtre. Ça brûle. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je sais pas. Alors, ce soir, on a que des poivrons crus à manger. Voilà, parce qu'on aime ça dans la famille. Hein? C'est bon, les poivrons. C'est le régime poivrons crus. Mais non, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe qu'il y a ce soir sur le tabasco le barbecue. Alors qu'est-ce qu'on a de bon au barbecue? Eh bien voilà. De bonnes aubergines tranchées, des côtes d'agneau, des merguez chipots et brochettes. Et ça, c'est des travers de. Comment on les appelle ça? Des travers de porc. Et dedans, ça cuit. Et c'est parti qu'on va se régaler ce soir. Ce soir sur Tabasco, il y a régalade. Voilà, c'est au mouillage. Vraiment cliquer deux fois parce qu'il y a des images qui vont se faire. La vidéo, elle démarre. Et il a mis quoi? Non, mais il y a le sel. Non, non, il l'a. Oula. Alors vous voulez quoi là, les ribs? Ouais. Son cul là? On va essayer. Tu vas prendre la langue. S'il te plaît.